cette vidéo, je vais vous montrer les quelques astuces que je connais en fait. Vous montrer les quelques astuces que je connais pour réduire donc les poches, les cernes, sécher les boutons, parce que ben, moi j'ai dès que j'ai une contrariété, ben, j'ai des boutons. Et puis avoir un teint frais en fait quand on est pressé ou non. Ça dépend, mais c'est des petites choses super rapides. Donc déjà, pour commencer, tout le monde connaît l'astuce de la cuillère au congélateur. Donc là, ben, je l'ai mis au frais en fait au congélateur. Donc en fait, on la met sur le dos en fait, sur l'œil, les yeux en fait. Et en fait, ça décongestionne et ça réduit en fait les poches. Donc voilà, je le fais devant vous, hein, comme ça vous voyez en même temps un petit peu le résultat. Mais bon, voilà, ça réduit, hop, voilà, comme ça. Ça je l'utilise pas trop en fait, hein, en général. Donc là, je suis pas du tout maquillée, hein, c'est vraiment pour montrer. Donc l'eau de bleuet, en fait, moi j'utilise de l'eau de bleuet. Donc en hydrolat, je l'achète sur Aromazone. Cet hydrolat est réputé pour apaiser les yeux fatigués ou sensibles. Il est également connu pour tonifier le tissu cutané. Donc vous pouvez le mettre dans vos crèmes, des trucs comme ça, enfin bon, voilà, comme les huiles essentielles en fait. Pour les boutons, l'huile essentielle de titri d'arbre à thé, elle est super en fait pour enlever les boutons. Vous mettrez quelques gouttes dans votre crème de jour, votre sérum de soin, puis franchement c'est vachement bien, parce que moi sinon j'aurais plein de boutons partout, quoi, ce serait l'horreur. Donc voilà, et en fait ce que je fais, ben, c'est que ben là je vous le fais en live, hein, toujours au frais, gardez tous les hydrolats au frais, toujours au réfrigérateur en fait. Donc ben là en live en fait, voilà, donc je fais, je mets ma pompe en fait avec deux cotons, hop, hop, voilà, et puis je le mets en fait sur mes yeux en fait. Donc j'insiste bien en fait là où il y a les cernes, c'est-à-dire le dessous, voilà, et puis je fais comme ça, voilà, et puis ça je le garde, on va dire, je sais pas, je me relaxe, genre j'écoute de la musique douce, des trucs comme ça, et je le garde, on va dire, un quart d'heure, un truc comme ça, et franchement ça marche super bien, mais dans la longueur en fait, c'est-à-dire au fur et à mesure, vous allez voir que en fait vos cernes elles disparaissent. Elles s'atténuent, pas elles disparaissent, mais elles s'atténuent elles sont beaucoup plus, beaucoup moins bleues, et les poches surtout. Alors ça, les poches, elles s'atténuent super. Alors ça, c'est génial. Voilà. Donc là, voilà. Hop, je fais ça parce que sinon j'en ai partout. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. Déjà là, ben, on voit que c'est un peu plus net. J'ai donc une astuce que là je vais pas vous montrer, mais en fait, si vous voulez avoir un teint frais, rapide, avoir un espèce de gainage comme ça, vous utilisez un blanc d'œuf. Donc le blanc d'œuf, vous prenez que le blanc d'œuf, vous le mélangez. Vous le mettez sur votre, vous faites un masque en fait sur votre visage, et en fait vous le laissez agir un quart d'heure, 20 minutes, vous rincez et vous verrez, vous aurez la peau super déjà nette, le teint unifié, et en fait ça retend tout, c'est super magique, c'est effet lifting, en fait effet lifting 20 minutes, quoi. Style, vous avez une soirée. Ah mince, j'ai plus de, je sais pas quoi, machin anti truc. Bon, et ben un jaune d'œuf. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas utiliser en fait trop pour manger, quoi, l'œuf. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre produit aussi, c'est la peau d'orange. Donc bio si possible, parce qu'en fait la peau d'orange qui n'est pas bio, ben elle est pleine de produits chimiques, donc forcément il faut la nettoyer.
voyez. Voilà. Donc vous prenez, en fait, quand vous mangez une orange, vous prenez une orange en fait, et puis ensuite, donc vous la rincez, il faut quand même la rincer ou la nettoyer en fait. Vous prenez un sopalin, vous la nettoyez, et puis ensuite vous prenez donc le dos, et ensuite vous passez la peau d'orange partout. Partout, et vous laissez agir comme ça. Vous nettoyez pas, vous allez voir votre peau. Franchement, ça marche. Elle est beaucoup plus nette, beaucoup plus fraîche. La peau d'orange, c'est génial pour tout ce qui est peau en fait. Ensuite, j'ai le sachet de thé vert. Donc du thé vert. Moi, je bois beaucoup de thé vert. Donc le sachet de thé vert. Donc ça, tout le monde connaît. C'est l'astuce. Le sachet de thé vert. On le met pareil. On écoute de la musique relaxante ou un truc comme ça. Hop, on met le sachet de thé vert, là je vous montre comme ça, on le met comme ça, et en fait on attend. Et on écoute de la musique relaxante, on se relaxe, voilà, on peut le mettre, ensuite on le change comme ça, on le met comme ça, hop, voilà, comme ça, on le met comme ça, voilà, on change en fait de position. Merci les messages. Et ensuite, voilà, merci les messages, trois messages, c'est plein d'appétit, c'est génial. Merci pour la vidéo. Et en fait, voilà, donc du coup, les sachets de thé vert, moi je les utilise pratiquement tous les deux jours, voire toutes les semaines. Et en fait, ça atténue en fait les cernes, ça atténue les poches. Et donc ça nous fait donc un effet rajeunissant. Voilà, avec le sachet de thé vert que bien sûr je fais tomber. Donc ça c'est génial, le sachet de thé vert. Si, voilà, vous êtes pressé, moi j'ai une astuce en fait. Vous prenez en fait deux cotons, du papier aluminium et puis du thé vert. Donc du thé vert préalablement, on va dire frais, en fait on va dire refroidi. Et en fait, je vais essayer de vous montrer en baissant un peu. Voilà, comme ça vous voyez. Donc voilà, et en fait, moi ce que je fais déjà, donc je fais tremper, donc je le plie parce que sinon ça va être la galère en fait. Voilà, je le plie, je fais donc tremper, hop, parce que ça prend bien, hein, donc c'est pas la peine de. Voilà, il trempe, hop, je le mets là. Comme ça, je fais une première couche comme ceci, voilà. Ensuite, je fais pareil avec l'autre, hop, 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 je fais tremper, hop, voilà, bien tremper. Je mets pareil et ensuite je recouvre, je me fais un petit carré comme ça. Et ça, ça va au congélateur en fait. Donc vous le laissez au congélateur, vous pouvez le laisser autant que vous voulez. Quand vous êtes pressé, donc attendez, je reviens vers vous. Hello! Quand vous êtes pressé en fait, c'est super pratique parce que c'est comme le jaune d'œuf. Quand vous êtes pressé, vous le sortez du congélateur, vous les ouvrez. Vous attendez un petit peu parce qu'il faut pas mettre que ce soit pas que ce soit congelé hein, directement. Vous les prenez et ensuite vous les mettez sur vos yeux comme j'ai fait avec le bleuet et ça va décongestionner tout ce qui est donc les cernes, les poches, voilà, ça va faire un effet immédiat en fait. Voilà, et en fait c'est une petite astuce que j'ai. Vous les toujours laisser dans le congélateur, on sait jamais. Si on a un truc rapide ou j'en sais rien, quelqu'un doit arriver à 8h30, vous avez la tête dans le pâté, vous faites ça en fait et hop, il dirait que vous n'avez pas de cerne, quoi, vous n'avez pas de truc de poche. Parce que bon, moi, arrivé à un certain âge, j'ai 38 ans, il faut trouver des petites astuces, quoi. Donc ça marche super bien. Ensuite, j'ai une autre astuce en fait. Donc c'est le bicarbonate. Le bicarbonate, ça s'utilise de partout, pour tout.
vous le savez, pour les dents, pour nettoyer, voilà, pour ça, les mauvaises odeurs. Alors une astuce, vous mettez, quand vous changez la litière, vous mettez donc du bicarbonate avant de mettre votre litière et du coup ça atténue l'odeur. Voilà, le truc tout bête, mais en fait ça marche super bien. Donc voilà, ça c'est pour désincruster, voilà, pour le. Enfin, c'est un nettoyant puissant, ça dégraisse. On l'utilise pour tout et moi je l'utilise aussi, donc je vais vous montrer parce que je vais le faire devant vous. En fait je l'utilise, donc je rebaisse, hop, et je vous montre le bicarbonate. Je prends en fait un petit truc, c'est pas un peu tordu cette histoire là, ouais voilà, donc un petit truc, je mets du bicarbonate un petit peu, hein, pas beaucoup, hein, pas besoin de 3 tonnes de bicarbonate, hein. Donc voilà. Du bicarbonate en fait, voilà. Ensuite ce que je fais, c'est que je prends du citron, donc je sais pas si je dois mettre la marque, pas la marque, voilà, ben moi c'est bio, voilà, c'est du citron bio, voilà, je mets du citron en fait, quelques gouttes de citron dedans, ça mousse, ouh ça mousse, voilà, du citron, voilà. Je prends un pinceau en fait, non, plutôt je vais touiller avec mon petit fouet, donc je touille avec mon fouet en fait pour bien, voilà, ensuite vous pouvez mettre de l'eau ou bien moi il me reste du thé vert, le thé vert c'est parfait, donc je vais mettre quelques gouttes de thé vert en fait, hop, voilà. Et je remue ma préparation en fait. J'essaye en fait que le bicarbonate se dissout, parce que le bicarbonate en fait il se dissout pas, et que ça me fasse une espèce de pâte. Donc là j'ai pas assez de bicarbonate, donc je vais en remettre en fait. Oula, j'en ai trop mis en fait. Ben c'est... Non, quoique non, j'en ai pas trop mis. En fait, il faut vraiment que ça fasse une pâte onctueuse en fait. Voilà, une super pâte onctueuse. Ben non, finalement, j'en ai pas trop mis. Et puis après, ça vous le gardez pour le lendemain. Hein. Faut bien que ça pénètre. Bien, bien que ça pénètre en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on prend un pinceau et avec ça, on se le met sur la figure. Donc là, je vais vous le faire en live, en fait. C'est plus pratique, non? Donc, en fait, je prends et j'essaye de prendre, en fait, les résidus. Les résidus du... avec le pinceau, en fait. Voilà, j'essaye de prendre les résidus du bicarbonate. Voilà. Et ensuite, je l'étale sur ma figure, en fait. Je mets en dessous parce que bah, ça. Voilà, j'étale. Je commence par le bas, évidemment, parce que en fait, sinon après ça va aller partout. Je prends mon coup. Voilà, donc en fait, j'ai laissé poser 10 minutes. J'ai laissé poser 10 minutes en fait le masque. Et voilà, je vous montre ce que ça fait en fait. Ça sèche, vous voyez. Donc je vais aller le rincer et puis on va voir ensemble ce que ça donne une fois que c'est rincé. Donc voilà, donc je viens de le rincer, donc vous voyez, ben, en fait ma peau est plus brillante en fait et plus nette. Je sais pas si on le voit en fait à la vidéo, mais bon, en tout cas ça se voit sur voilà, et en fait ça sèche les boutons et en même temps ça fait gommage. Donc vous pouvez le faire en exfoliant aussi sur le corps,
Donc en fait, vous mettez du citron, vous prenez ou du citron ou pas, ou de l'eau. En fait, vous mélangez de l'eau et du bicarbonate. Vous le faites sur votre peau et en fait, ça exfolie donc toutes les peaux mortes. Et ensuite, vous avez donc un teint super. Donc voilà. Et donc en dernier lieu, mince, j'ai perdu mon petit papier, mais c'est pas grave parce qu'il me reste juste une chose en fait à vous dire. Donc en dernier lieu, moi, ce que j'utilise en fait, c'est toujours de l'aloe vera. Voilà, de l'aloe vera, mon aloe vera chéri. Franchement, je trouve pas mieux quoi. Donc l'aloe vera, il est riche en vitamines, en acides aminés et en minéraux. Ce gel d'aloe vera est connu pour réparer, soulager et protéger les peaux des agressions et du vieillissement. Voilà. Ensuite, ce gel est natif, est obtenu à partir de filets frais de la plante. Voilà, c'est pour ça que je l'achète dans Aromazone parce que je sais d'où il vient. J'ai donc là, le numéro du lot, tout, même quand je l'achète, enfin ils me le disent sur le site, je vous mettrai tout en barre d'infos en bas. Et en fait donc ça apaise la peau. Donc là j'ai déjà, vous voyez là, le teint beaucoup plus net rien qu'avec le bicarbonate, hein. Donc là je mets on va dire 3 pompes. Je mets 3 pompes, 1, 2, 3, 3 pompes. Et en fait, j'en étale partout sur mon visage de l'aloe vera. Vous pouvez l'utiliser aussi sur vos cheveux. En fait, sur la pointe, hein, la pointe des cheveux. Parce qu'en fait, ça hydrate. Il est très très hydratant au niveau de la pointe des cheveux. Donc en fait, là, je mets bien comme ça. Vous verrez quand vous le mettez. Ensuite, ça vous fait une espèce de peau tirée. Et ensuite, ce que je fais en fait, ben, je le mets au bout, à mes pointes. Voilà, rien ne se perd, hein, rien ne se gâche. Voilà, aujourd'hui j'ai fait des tresses. Voilà, parce que faut que je me lave les cheveux. Donc voilà. Comme ça au moins c'est hydraté. Voilà. Et voilà. Donc voilà. Et voilà, une fois, voilà, vous voyez, hop, je brille, hein. Ça brille en fait. Et en fait là c'est en train de pénétrer sur ma peau. Et du coup, ben, j'ai le teint beaucoup plus net. Voilà, là j'ai rapproché la caméra. Donc voilà, beaucoup plus net. Voilà. Si vous faites ces petits gestes-là, on va dire une fois par semaine, franchement, vous aurez moins de cernes, moins de poches. Moi, je commençais à avoir des poches en fait, vu mon âge. Et en fait, je voulais pas quoi. Et du coup, ben, en faisant ces astuces-là, en fait, les poches, ben, elles ont disparu. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai moins de poches, en fait. J'ai beaucoup moins de poches, j'ai moins de cernes. Là, vous voyez, pourtant, j'ai pas de maquillage. Hein. J'ai que, voilà, les traces de boutons que j'essaye d'enlever. Mais ça, en fait, je les enlève donc avec de l'huile végétale de rose musquée qui marche très, très bien. Mais c'est à la longue. C'est-à-dire tout ce qui est naturel, c'est pas comme les produits chimiques, ça va pas vous faire de suite vous voyez un effet super naturel, génial, super naturel, je veux dire pas naturel mais fantastique quoi. Non, c'est à la longue, quand on utilise, au bout d'un moment, voilà, la peau en fait elle respire, elle est voilà. Là en fait voilà, mon aloe vera a pénétré. Et en fait, voilà, ben, j'ai la peau nette. Là, je peux reculer, en fait. Voilà, j'ai la peau nette, propre aujourd'hui. Donc, je vais rester comme ça. Et puis, ben voilà, j'aurai plus qu'ensuite, donc demain, me laver les cheveux tranquille. Et puis, ben, tout sera bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben écoutez, je suis là pour y répondre au sujet des petites astuces. Si vous avez, vous, des petites astuces, ben, donnez-moi-en, je serais ravie aussi de les connaître. Voilà, et puis ben écoutez, je vous souhaite un bon visionnage. Et puis abonnez-vous, c'est juste là en bas si vous aimez. Et puis à bientôt sur Norma Chris. Je suis très contente. Voilà, donc à bientôt. Et puis je vous souhaite une bonne journée à toutes. Merci, allez, hola chica, amiga. Ciao, 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 ciao. Mais voilà, j'ai ma lentille qui...